Les fans des Lions de la Teranga ont du mal à digérer l'élimination prématurée de leur équipe de la Coupe du Monde en Russie. La Fédération sénégalaise de football a saisi la FIFA afin qu'elle reconsidère ses règles de fair play après que les poulains du coach Aliou Cissé se sont fait éliminer pour avoir accumulé plus de cartons jaunes que le Japon. En rappel, les Sénégalais et les Japonais ont terminé la phase de poule avec 4 points chacun après une victoire, un match nul et une défaite. Le Sénégal reproche notamment aux Japonais d'avoir fait preuve d'anti-jeu en faisant circuler le ballon entre eux alors qu'ils menaient 1-0 contre la Pologne lors du dernier match, tandis que les Lions avaient quant à eux encaissé un but contre la Colombie. La Pologne, déjà éliminée, n'a pas, dans le même temps, fait preuve d'une grande agressivité face à des Nippons jouant la montre. Pour le porte-parole de la Fédération sénégalaise de football Karatioun, la FIFA doit pénaliser les équipes qui refusent de jouer dans le futur. Le Sénégal est le premier pays à faire les frais des nouvelles règles de fair play de la FIFA qui apportent une dimension disciplinaire dans le processus de qualification des équipes pour le deuxième tour quand les résultats sportifs ne parviennent pas à les départager.